Salut à tous, c'est le gamer César avec 89 ou super bien famille. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale le fait 2013, je vous jure. En tout cas, les Mayas sont nuls en maths, hein, parce qu'ils avaient dit clairement c'était la fin du monde et ça a pas eu lieu. Hein. Donc bref, façon, en fait, je pense que les Mayas, en croyant prédire la fin du monde, ils ont prédit la fin de l'école plutôt. Hein. La fin du monde tombait pile le 21, donc là je vais juste vous faire un petit truc en surf. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous ferai du Red Dead Redemption, je vous ferai une course poursuite en fait. Je vais jouer au chasseur de primes dans la deuxième partie de Red Dead Redemption. Hein. Ça allait bien, je choisis Saint-Luc, sinon j'espère que le petit générique là au début vous a plu. Oui, trop sympa. Alors, surtout n'oubliez pas de mettre un pouce vert si vous appréciez cette vidéo. C'est le speech, voulez-vous, c'est la vie. En tout cas, franchement, je suis vraiment fier de ce. Franchement, je suis vraiment fier de cette PS3 parce que. Voilà. C'est surtout que les graphismes, c'est quand même du ouf. Ah oui, et sinon, maintenant, je peux jouer en ligne parce qu'en fait, le premier compte que je m'étais créé, sans le vouloir, je m'étais fait un compte mineur. Enfin, si, c'était en le voulant, vous voyez, je m'étais fait un compte mineur sur PlayStation Network de la PS3. Mais je savais pas qu'en faisant un compte de mineur, j'aurais pas pu jouer en ligne. Et du coup, j'ai dû me faire un autre utilisateur sur la PS3. Et puis donc, nous créer un autre compte PlayStation Network qui, lui, est majeur. Bon, j'ai dit que j'étais né en 92, hein, mais en réalité, je suis né en 99, bref. Et donc, voilà. Et maintenant, normalement, je peux jouer en ligne à Red Dead Redemption, Uncharted 3, Batman, et tout, tralala. Et le Batman que j'ai, c'est Batman Arkham City. Hein, le nouveau, il me semble. Bref, à part ça. Bon, on est déjà bientôt arrivé, là. Bah la vache. En plus, c'est jour, c'est génial, alors que... Dans le petit générique au début, il y a nuit pendant que je faisais le surf. Attendez, je me tais, faut que je me concentre. Ma Yoshi. Gaspard. Non, ça, je vais arrêter de faire le 10 000 mentons, non, j'étais pas trop fier. Ouh, j'ai failli mourir. Attendez, je me concentre juste une petite peu. Voilà, j'ai failli mourir. Parce que tout à l'heure, c'était tout le temps là que je mourais. En fait, tout à l'heure, quand je mourais, c'était tout le temps en allant... C'était tout le temps glissant par erreur. En fait, à chaque fois que je mourais, tout à l'heure, quand je faisais le truc en off, en me filmant pour faire le générique, là, du début... Attendez, je parle juste... Et ben, à chaque fois, en fait, je glissais sur la barrière, puis je tombais dans le vide, en fait. Donc bref, là, on va le verser, et là... It is an armole. Armole. Et donc, on va se retrouver pour... Pour Red Dead Redemption, donc. Ah zut, j'étais tombé le truc avec lequel je m'en servais pour lancer ma voix. Et donc on va se barrer de là tout à l'heure. Salut à tous, salut les gamers, c'est ZLV89 ou Super Notre Ami. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Enfin non. Re-salut à tous. Re-salut les gamers. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Attendez, en bas. Il y a des criminels qui sont en train de foutre le zdeg dans la ville. Donc voilà. Oh punaise, le truc de ouf. Alors j'ai plus de sang froid. Alors que, en plus, ils arrivent pile quand... Oh là là, j'ai... Oh là, oh le truc de ouf. Alors là, j'ai gagné plein de fric. Et en plus de ça, non, j'ai pas gagné du fric, j'ai gagné de l'honneur et de la récupération. Donc en fait, je vous explique ce qui s'est passé si vous avez pas très bien compris. Pile, à la minute, pile, dans les 10 secondes. Ah d'ailleurs là je viens de gagner de l'argent pour ce que je viens de faire. Pile dans les 10 secondes où j'ai commencé la vidéo, il y a une bande de bandits terroristes qui sont débarqués et qui ont tué tout le monde. Et moi du coup bah je les ai sauvés. Non mais dites dans les commentaires, Zelda Boy c'est un sauveur. Hein. Non mais dites-le. Attendez, grâce à moi, Armadillo est sauvé. Pile quand j'ai commencé, un bandit terroriste criminel de ouf, il est venu. Attendez. Je viens de tuer mon cheval. Bon, écoutez, il y aura eu quelques mésaventures dans cette vidéo. Excuse-moi. Mais bon. Bah oui, mon cheval est mort.
En fait, je vous explique. Mon cheval, attendez, je retourne là où j'étais quand j'ai appelé mon cheval. Alors, ce qui s'est passé, j'étais de ce côté-là, devant le train. Mon cheval était derrière le train. Et quand je l'ai appelé, mon cheval est venu et puisqu'il a foncé dans le train, ben, il est mort. Donc, ben, écoutez, j'ai plus de cheval, hein. Au moins, ça aurait fait une belle vidéo où ce serait passé plein de choses. Génial. Ça se passe pas exactement comme j'ai prévu, mais au moins ça se passe bien. Enfin, au moins ça se passe de manière héroïque. Ah non, ou... Ah non, non, je crois que mon cheval il est pas mort. Voir c'est celui-là, mon cheval. On va voir. Ah non, non, en effet, mon cheval est mort. Donc celui-là. Ah non, 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 il est pas mort, hein. Ah bah, excusez-moi, je croyais qu'il était mort. Ah bah non. C'est celui-là, mon cheval. Mais non, ça c'est pas mon cheval, ça. Bah vous savez quoi, puisque j'hésite entre les deux chevaux, je vais voir leur endurance. Hein? C'est lesquels qui ont le plus d'endurance? Entre les deux. Ok, bon, je vais prendre l'autre cheval car l'autre cheval a plus d'endurance. Et donc on va aller tuer le bandit, hein, dont sa tête est mise à prix, car évidemment j'avais prévu quelque chose pour cette vidéo, j'allais pas comme ça jouer en faisant n'importe quoi. J'avais pris un wanted, on peut dire. Ça s'appelle comme ça. Et donc un bandit avait sa tête qui était mise à prix et donc je dois aller le battre pour je sais pas combien d'argent. Alors c'était ça que j'ai prévu pour cette vidéo. Au moins ce sera passé des choses. Hein. Et au moins j'ai un cheval qui a pas mal d'endurance. Donc je vais sur la carte. Le bandit se trouve là-bas. Je me place un petit repère. Oh, en plus on va avoir du chemin à faire. Hein. Plus que la dernière fois. Hein. Alors que le dernier bandit que je vais aller battre, il était ici. Là. Et là maintenant il est là. Quoique, non, la distance est à peu près la même. Voire même moins grande en fait. Non bref, c'est pas grave. Après peut-être que je continuerai encore un petit peu en tuant des animaux. Et en prenant leur peau et tout le tralala pour les revendre. Alors. En tout cas, il se sera passé quand même des choses de ouf. Hein. Là, je suis content, là. Bon, là, vous voyez, moi, pile quand je viens de commencer une vidéo, une bande de terroristes complètement psychopathes de la vie débarque dans la ville pour tuer des gens. Et puis que moi je les sauve pour sauver le monde. Et tout ça pendant les 10 premières secondes de la vidéo. Et ben je suis content. Donc c'est vraiment quand même j'ai une chance incroyable. Je sais pas combien de pourcentage de chance j'avais que les bandits arrivent pile à ce moment-là. Mais au moins, il sera passé des choses. Donc là je vais arrêter de répéter des milliards de fois. Je vais pas récupérer la fleur qui s'affichait sur la carte. Hein. Que en fait parfois on peut trouver il y a des fleurs et tout. Attendez, je veux juste tuer l'animal en mode sans froid. Ah zut. Je suis juste en train de me les faire. Voilà. Voilà, donc voilà, là je viens de tuer des animaux. Et ce que je vais faire, en fait, je vais les dépecer. Donc pour revendre leur boyau et tout tralala. Alors, je saute sur la pierre. Ouais, on peut. Donc là, je vais dépecer l'animal et plus tard, je revendrai ces machins et tout pour avoir de l'argent. C'est sûr que pile aux 10 premières secondes de la vidéo, il y a des bandits qui sont venus, puis j'ai sauvé l'humanité tout entière. Alléluia. Ah là là, mais Dieu est avec moi quand même, j'ai eu de la chance. Peau de serre. Alors. Hello, ça fait déjà 5 minutes. Il est où, mon cheval adoré? Il y a plein d'endurance. Et en plus, celui-là, il a encore plus d'endurance que mon cheval qui s'est fait tuer par le train. Ah, ou alors c'est mon cheval de avant, mais sauf qu'il est devenu roux. Alors qu'avant, il n'était pas aussi roux. Alors. Bon, je voulais tuer la petite animal qui est passée, mais bon, je ne vais pas passer mon temps à dépecer des animaux. C'est pas grave. De toute façon, j'aurai l'occasion d'en revoir plein d'autres durant tout le jeu. Alors, je vais pas perdre tout le temps de la vidéo pour ça. Peut-être que j'en dépecerai un petit peu quand j'aurai fini de tuer le criminel, comme j'ai déjà dit. Bon, là, je coupe, hein, voilà, direct. De toute façon, vraiment, vous voyez la carte, vous voyez à ce que je dois aller. J'espère que cette vidéo vous plaira. Gna. Et bonne année à tous. Mais qu'est-ce que je fous, moi? Voilà. Je sais pas pourquoi le truc, il me ramène pas sur un sentier. Attends, je veux juste voir où il est, le criminel, là. Ah, il est pas loin. Il est pas loin du tout, hein. Franchement, il est pas loin.
Je pense qu'il est derrière la colline, un truc Thomas. C'est quoi, je vais essayer de me concentrer. Voilà. Oh, en plus, il y a plein de méchants. Est-ce que j'ai beaucoup... Bah, vous savez quoi, avant de me le faire, je vais juste attendre que ma jauge de sang-froid grandisse, entre guillemets. Attendez, je vais juste remonter sur le cheval. Il va se diriger vers les criminels, ce suicidaire, là. Alors que vous voyez, là, si je vais pas tout de suite, je sais pas si vous voyez. À droite du radar, il y a une espèce de jauge rouge. C'est ma jauge de sang-froid. Hein, c'est ce qui permet de viser au ralenti. Là, vous savez, quand ça devient sépia l'image, puis que ça peut viser au ralenti, ce qui est beaucoup plus pratique. Bah, je vais attendre que ça grandisse. Enfin, que ça monte, quoi. Donc là, je vais juste avant de les attaquer, attendre que la jauge grandisse et de bien identifier l'endroit où ils sont et tout, pour savoir où commencer à tirer et tout d'abord. Hein. Alors. Ok, ils sont par là. Non, je peux pas passer ici. J'ai peur quand même. Hein. Bon, on fait quoi en attendant? Je me promets vite fait. Ou alors je tue mon cheval. Mais non, ce sera un petit peu bête. Hein. Non. Là, mon cheval était à quelques mètres des bandits. Vous savez quoi? J'ai juste éloigné mon cheval loin. Voilà, pour pas que je me fasse repérer à cause du cheval, parce que ce serait vraiment bête. Là, ma jauge de sang-froid, elle commence à monter, je vais commencer à les attaquer. Donc là, par contre, je vais pas énormément parler, j'ai pas envie de juste me faire bousiller ma face comme un taré mental. Qu'est-ce qu'il a foutu mon cheval? Bon, vous savez quoi, au pire, je vais les tuer à dos de mon cheval. Hein. Si c'est le seul moyen pour pas que mon cheval me renverse pendant que je vise. Ok, attendez. Voilà. Il est mort? Non, il est dans la cabane, le mec. Voilà, c'est bon, il est mort. Approchez-vous du cadavre du criminel et fouillez-le. Donc attendez, juste avant de m'approcher du cadavre du criminel, juste fouiller les autres corps. Comme ça, je vais me faire un petit peu de fric. Et un petit peu de pommes, au cas où ils aient des pommes sur eux, on sait jamais. Voilà. Pour l'instant, je fouille les munitions pour revolver, ok. Apporter la preuve à Armadillo. Donc, je vais placer le repère. Et donc, je vais placer un point de repère à l'endroit où je dois aller à ma destination. Et donc, voilà, j'aurais tué un petit criminel. Au moins, il serait passé des choses sympas. Allez, on y va. Donc, voilà, j'ai cours, j'appelle mon cheval, il est où? Mon cheval, il est tout là-bas, quel abluti. C'est vrai quand même que la jauge de son foie sera très pratique. Hein. Le mode bullet time aussi, on peut l'appeler, comme l'appellent certaines personnes, mais moi, je l'appelle la jauge de son foie. Parce que voilà, hein. Et puis voilà. Donc là, je vais apporter la preuve à Armadillo. Bonne année à tous, voilà. Attendez, juste se faire d'oiseau là. Je vais pas le dépasser ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour me la péter. Voilà, c'est bon, des mouilles. Oh non! C'est pas la première fois, mais la dernière fois aussi que j'avais tué un mec, la dernière fois aussi que j'avais tué un criminel, et ben ses potes sont venus plus tard pour essayer de se venger. Bon, vous savez quoi, pendant qu'on y est, je vais aussi prendre la plume. Hein. Si je suis juste à côté, prendre la plume du faucon hein, pour leur vendre l'argent, Cantal.
Bon, ma... Non, il est mon cheval. Oh non, il y a encore d'autres méchants, vite. Vous savez quoi, j'ai la flemme de tous me les faire. Attendez, attendez, attendez. Oh, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon. Pendant qu'on y est, je vais tuer le cow-boy. Mais par contre, non, je fouille pas les corps, ça me saoule. Voilà, c'est bon, il est mort. Je suis tranquille, du moins je l'espère. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gens encore qui vont essayer de buter ma race. Bon, je me dirige vers Armadillo. Allez, on y va. Je ne suis pas très rouge, je me dirige directement vers la croix hein, qui me repère. Alors. Voilà. Il est mal, oiseau. Il est mal. Ah bah, j'ai plus de jauge de sang-froid. De jauge de boulet de taille. Oh non, il y a encore un autre méchant. Bon, ce que je vais faire, à chaque fois qu'il y a un méchant qui me suit, il ne faut pas que je me dirige vers Armadillo. Parce qu'il ne faut pas que je sacrifie les habitants. Au moins, j'aurais gagné de l'honneur, quoi que, pendant cette mission. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en général. Ah non, ici, c'est oiseau. Bon, je me redirige vers Armadillo. Espérons qu'il n'y ait pas encore d'autres gens qui me kidnappent pour me violer et me tuer. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça marche. J'ai Super Game 3000. Ah, d'ailleurs, mon identifiant, justement. J'avais oublié de donner mon identifiant pour pouvoir jouer en ligne avec moi à la PS3. Mon identifiant pour jouer en ligne avec moi à la PS3, c'est Super Game 78300. Peut-être que je mettrai en superposition, enfin, en image, enfin, ou en commentaire. Je sais pas, mais en tout cas, c'est Super Game 78300. Ce n'est pas un majuscule, il n'a pas d'espace. Enfin, en fait, le S de Super Game 78300, c'est en majuscule, mais sinon tout le reste n'est pas en majuscule et il n'y a pas d'espace. Voilà. De toute façon, je l'écrirai dans les commentaires, je pense, peut-être, ce qu'il pense. Alors. Et là, donc, j'apporte la preuve à Monsieur Machin. Voilà. Bon, j'ai gagné que 10$, le seum. On va faire quoi maintenant, hein? Je regarde juste sur la carte. Ah non, il n'y a pas de nouvel truc mis à prix. En tout cas, j'ai gagné 200 de valeur, en tout cas. Ça, c'est pas mal. Je suis fier de moi. Attendez. Je vais juste revoir une clic. Non, rien. Non, rien du tout. Et là, donc, on va s'arrêter donc sur un petit level design. Ah oui, sinon, j'ai oublié encore de vous dire un détail. Alors, je vous explique. Donc, comme je vous l'avais dit au début de ma vidéo, j'ai deux comptes. Un compte mineur, que je me suis fait sans savoir que qu'avec le compte mineur, je pourrais pas jouer en ligne. Et un compte majeur qui est donc Super Game. Mon compte majeur, donc le compte avec lequel je peux jouer en ligne, c'est Super Gamer 78300. Hein. Super Gamer, et non pas Super Game. Voilà. Et en fait, quand je jouerai en ligne avec vous, en fait, je vous explique. Là, vous êtes d'accord, je suis avancé dans ma partie. Mais puisque toutes mes données, elles sont sur mon utilisateur ZLabri99, donc mon utilisateur mineur, sur ma session mineure, et ben, je bug. Et ben, du coup, toutes mes données de sauvegarde en solo Red Dead Redemption sont sur ma session ZLabri99. Et donc, quand je joue en ligne, puisque je peux seulement jouer sur ma session mineure, et ben, du coup, j'arrête presque pas d'armes quand je joue en ligne sur ma session Zelda Boy 78300. Enfin, que sur ma session Zelda Boy 78300. Enfin, sur ma session Super Gamer 78300, j'ai aucune donnée de sauvegarde de jeu, c'est seulement sur ma session Zelda Boy 99. Et puisque je peux jouer uniquement en ligne avec ma session Super Gamer 78300, donc je prononce bien, nom d'une pipe, j'arrête presque par l'arme quoi qu'on jouera en ligne. Donc il faut juste que j'avance un petit peu aussi sur ma session Super Gamer 78300 histoire d'avoir un petit peu d'armes quand même. Ce serait génial. Et donc je vais m'arrêter là.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce vert. Je vais venir quand même un petit peu le paysage parce que c'est sûr que c'est un jeu quand même assez génial. Ah blablabla, que blabla, que je parle. Ah que blabla. Donc là, je vais juste aller en haut de la tour pour m'arrêter là. Hein. Et donc, on va s'arrêter là et on va à la prochaine vidéo, les pédocs. Non, j'ai quand même... Excusez-moi pour l'insulte. J'aime bien me faire emporter. Emporter, c'est ça. C'est cela, je me fais emporter maintenant. Hein. Je ne me laisse plus emporter, je... En fait, c'est pas je me laisse emporter, c'est je me laisse importer. Hein. Est-ce que je peux l'aider à soulever les planches avec de l'argent en échange? Ah bah non. Dommage. Ah et sinon, tout à l'heure, hein, avant que je commence la vidéo, j'avais remarqué qu'on peut apercevoir la lune quand le soleil se couche. Ça, c'est vachement bien foutu, n'empêche. Alors... Hey, Pello! On va s'arrêter... là, comme ça, là. Voilà. C'est une belle vue, ça. C'est une belle vue. Voilà, c'est une belle vue. Et donc, au revoir à la prochaine vidéo.